Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Et raconte comment l'esprit sorcier la fatiguait. Qu'est-ce que c'est? Écoutons. Vraiment, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous mon histoire en fait. Parce que ce que je vais vous raconter là, c'est mon histoire à moi, ce que je vis. Ce que je vis jusqu'à présent. Bon, en fait, je suis une jeune fille âgée de 29 ans. Qui n'a jamais connu la joie de l'enfantement, comme pour dire que je n'ai jamais mis au monde un enfant, ou bien comme pour dire que je n'ai jamais même eu à concevoir et que je suis allée faire une interruption ou bien une fausse couche, jamais. Tout commence comment? Je suis une petite fille qui a grandi au village parce que vous savez, à l'époque, ma maman était encore très jeune quand elle m'a mise au monde et le papa a fui. Ma grand-mère a dit non, non, madame, tu continues l'école, je vais élever l'enfant. C'est donc comme ça que j'ai grandi avec ma grand-mère. Et vous savez, au village, il y a toujours les histoires de sorcellerie au village, dans le quartier où vous vivez, la sorcellerie, la grand-mère fait ceci, la grand-mère. Et dans mon quartier, là-bas, c'était tellement récurrent, les histoires de sorcellerie dans mon quartier au village. C'est un petit village à proximité de Bona, de Douala, près Bonaberry, là. C'est donc comme ça que je grandis avec ma grand-mère, je grandis. Une nuit, je dors avec ma grand-mère, vous savez, je dors, après je tourne les yeux, je vois comme s'il y a quelqu'un qui est placé devant moi. Comme si quelqu'un qui est placé devant moi, la personne est placée devant moi, tout noir, je ne vois personne, je ne vois pas le visage, mais la personne est couverte de tout noir, la personne ne bouge pas, rien. Je réveille ma grand-mère, je dis, grand-mère, il y a quelqu'un là. Qu'elle dit, elle me souhaite que je ne vois personne. Je dis que, mais voilà, quelqu'un qui est placé devant moi, mais je ne vois personne. Après, subitement, la personne disparaît. Je dis, ok. Et j'étais encore toute petite, bon, c'est l'événement est passé, le phénomène est passé, j'ai fini tout mon primaire au village. C'est donc comme ça que ma mère me prend donc en ville, quand je pouvais continuer le secondaire. Je continue l'école au secondaire, ma mère vivait déjà avec un homme à Douala. Quand je remonte ce Douala, je commence la sixième à Douala. Les premières années, je dors bien, sans problème. Et après, je ne sais pas ce qui se passe, un beau jour, je commence à dormir. Quand je dors, quand je suis endormie, je sens la présence de quelqu'un en fait à côté de moi. Et cette personne m'hypnotise. Ce n'est pas que je suis en train de... Ce n'est pas que c'est un rêve en fait. Ou bien je suis en train de rêver, ou bien je suis profondément endormie. Je suis là, les yeux fermés, mais je sens la présence de quelqu'un. Je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, mais l'esprit m'hypnotise. Je peux rester comme ça 3 minutes, après je me réveille. C'était il y a tellement récurrent qu'à un moment, j'ai dû en parler. À mon beau-père, donc ça dit le mari de ma maman. C'est lui qui me dit, quand tu as ça comme ça, il faut prier dans ton cœur. DM, je vous assure, c'était déjà devenu récurrent. Même si je dors n'importe où, j'ai toujours ce même problème. C'est donc comme ça, quand je dormais, je priais dans le cœur, je priais dans le cœur, je priais dans mon cœur. Je priais dans mon cœur. Quand je dors comme ça, là, quand cet esprit vient, je commence à prier. Je prie. Après, je me réveille. Je me réveille. Entre-temps, je travaillais dans un hôtel. Un jour, je suis en train de passer. Il y a une dame qui m'interpelle. Elle avait logé. Elle me dit, ma fille, bonjour. Je dis, bonjour, maman. Elle me dit, je ne sais pas si je peux te parler. Pousser un minute. Non, il n'y a pas de souci, maman. Je vous écoute. Elle me dit, excuse-moi de t'aborder. Moi, je suis telle. Je saute ma main d'âge. Je suis une voyante et tout. Vraiment, tu es passé là. Elle a commencé à me raconter l'histoire qu'on dit souvent partout. Tu as une belle étoile, on t'a bloqué et tout et tout. Mais elle me dit, je suis en train de sentir la présence de quelqu'un. Quand tu passes là, il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Tu as quelqu'un qui contrôle ta vie. Fais très attention. Moi, je suis une voyante. Je ne traite pas. Mais je peux t'envoyer chez un homme de Dieu qui va prier pour toi. Je lui ai dit, ok, maman, moi, je n'ai pas de problème. Je vais aller chez un homme de Dieu. Je suis restée. L'histoire m'a dérangée. Toute la journée, je suis allée voir ma collègue. Ouais, il y a une dame comme ça qui m'a vu comme ça. Elle me dit, ah, les dames là sont les menteuses et tout. Bon, j'ai laissé simplifier, je suis passée sur ça. Deuxième, une autre fois, un monsieur m'aborde. Non seulement parce que, avant ça, toutes mes relations que j'avais, je vous assure, ce n'est pas que je suis une très très belle femme. Une très 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 belle femme, très brune, belle, avec des formes. Mais quand un homme me rencontre, je vous assure, je n'ai pas un mois, l'homme passe, semble, il disparaît. Nous n'avons pas de problème. La relation s'arrête là, il part.
J'ai fréquenté, j'ai un BTS en logistique de transport, mais je n'arrive pas à trouver un travail digne de mon diplôme, en fait, de mon coursier intellectuel. C'est donc comme ça que le monsieur, c'est un monsieur aussi qui était un monsieur, il m'aborde et tout, on prend rendez-vous dans un restaurant à Bonaberry. C'est donc comme ça que j'y vais, je ne vais pas à Bonaberry. Dès qu'on arrive au restaurant, le monsieur, on se commence à causer bien. Après, le monsieur me dit, j'arrive. Quand il revient, il me dit, ma fille, vraiment, excuse-moi, mais bon, je dois te laisser et tout. Je ne sais pas, mais je sais pas ce que tu as ramené là. Tu es entrée là. Directement, quand tu es entrée, il y a une femme qui était derrière toi, elle t'habillait en blanc. Je dis, Seigneur, comment ça? Il me dit, tu pries? Je dis, je prie beaucoup. C'est où je me dis, ah bon, attends, je vais t'expliquer ce qui se passe. J'ai essayé de lui expliquer ce que je ressens souvent quand je dors et ce que j'ai déjà eu. Parce que la femme m'a dit, mais pourquoi tu négliges ta vie? Ta vie est en danger. Ta vie est en danger parce que moi, j'ai vu une femme qui était derrière toi, mais dès que tu t'es assise, elle est sortie du restaurant. Ça veut donc dire que ta vie est contrôlée par cette femme. Fais très attention. Si tu veux, je peux t'aider en t'amenant vers un homme d'église et tout. Il te dit, ok, j'ai compris. Quand le monsieur est parti, c'est comme ça qu'il a coupé l'éponge. J'appelais, même il ne prenait plus le téléphone. Entre-temps, j'ai toujours des douleurs au ventre. Il a fait tout genre d'examen, DGM, DMG, autant pour moi. J'ai fait tout genre d'examen, DMG, on ne voit rien à l'hôpital. Mais quand le ventre peut me faire mal, le ventre peut me faire mal de lundi jusqu'à jeudi sans repos. J'ai déjà eu à prendre des purges et remèdes indigènes, ça ne change pas. C'est donc comme ça que j'explique le problème à ma cousine. Ma cousine arrive un jour, elle me trouve en train de me tordre de douleur dans la chambre. Elle me dit, ouais, maman, la femme ne doit pas blaguer avec son ventre. Toi, tu as fait tous les examens, tu ne vois pas le résultat. Tu as blé les remèdes indigènes, tu ne vois pas le résultat. Essaie aussi de voir si ce n'est pas mystique. C'est donc comme ça que maman, je vais commencer par où pour voir que c'est mystique. Elle me dit, bon, moi, je connais une femme. Amandjo, elle peut t'aider. C'est donc comme ça qu'elle dit, ok, appelle la dame alors. Je prends rendez-vous avec elle. On va chez la dame. La dame me consulte. Effectivement, elle dit des choses, les mêmes choses comme la première voyante m'avait dit, on a bloqué ta vie. Il y a une femme que je suis en train de voir qui a bloqué ta vie. Et c'est une femme qui est déjà décédée. C'est elle qui a bloqué ta vie et tout. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Elle m'a donné la liste de tout ce qu'il faut faire, les lavages et tout et tout. Bon, ce jour, on a pris rendez-vous. Après, une semaine après, je suis revenue. Elle a travaillé sur moi, pour les Africains, elle a travaillé sur moi. Après, elle m'a dit, va, elle a continué. Et je vous assure, ce jour, elle a travaillé sur moi avec la poule. DMG, elle devait me laver avec l'eau de sang de la poule, je crois bien. DMG, quand on coupe le coq, le cou de la poule, je sais que la poule meurt directement, mais cette poule a fait peut-être 10 minutes avant de mourir. Donc, elle m'a dit ce jour que ma fille, tu as vraiment ton travail est difficile parce que cet esprit te contrôle depuis des années. Ça te contrôle depuis des années. Elle a travaillé sur moi. Travaillé, moi, je me suis dit, ok, c'est bon, mon problème est résolu. Je suis rentrée ce doigt-là, sans problème. Mais juste là, je n'ai pas eu de résultat. J'avais toujours cet esprit. Chaque jour, quand je dormais, je voyais toujours la présence. Je sentais toujours la présence de cet esprit. Parfois, même c'est mes pieds qu'on tirait la nuit quand je dormais. Tellement j'étais déjà fatiguée que j'allais voir ma grand-mère, que grand-mère, ça ne va pas, ma vie ne donne pas. Je vois la situation que je vis depuis comme ça, comme ça, comme ça. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais me renseigner. On va chercher aussi un prêtre exorciste, il va travailler, on va commencer les prières. C'est donc comme ça que ma grand-mère m'appelle, elle me dit, tu es où? Je dis que je suis à Douala. Elle me dit, ok, ça, j'ai trouvé un prêtre exorciste. Donc après toi, il est seulement libre les mardis. On va aller là-bas le mardi. C'est donc comme ça qu'on se lève. C'est toujours après Bounabéry. Le mardi, on se lève, on fait d'abord la prière à l'église assise. Quand on finit, je vous assure, le prêtre exorciste, c'est le rang qu'il y a chez lui. C'est le rang. Quand on arrive chez lui, on finit après, quand on arrive, il dit, ok, on explique le problème. Il dit, ok. Il me dit, il ne peut même pas recevoir, il ne peut pas travailler. Mais comme on sort de loin, il va nous recevoir. C'est donc comme ça que il commence, j'explique le problème. Il dit qu'effectivement, j'ai un esprit. Il ferme les yeux, il ferme les yeux, il commence à prier. Après, il dit que oui, ma fille, tu as un esprit qui contrôle ta vie, qui vit en toi. C'est l'esprit de, et c'est une femme qui est en train de contrôler ta vie. Mais je vais chasser cet esprit avec les prières. DMG, il a commencé les prières ce même jour. Je vous assure,
ma grand-mère avait enregistré. Même jusqu'à présent, quand je criais, c'est la voix d'une femme, d'une vieille maman. Quand bien je ça, quand il mettait la croix sur moi, je pouvais la force, j'avais la force de 10 personnes parce qu'on était, il avait, on était seulement à 3 dans son bureau, lui, ma grand-mère et moi. Mais à peine 2 minutes, il a commencé à prier. Bien, il allait appeler au moins ces 5 gars qui sont venus pour me maîtriser. J'avais tellement une force qui n'avait pas de nom. C'est donc comme ça que il me dit, ouais, on va devoir interrompre les prières parce que je vais voyager. Où c'est la période où c'est pastoral qui nous a dit et tout, dans les prêtres et les catholiques, ils devaient voyager. Ma grand-mère me dit, ok, c'est pas grave. Il me dit, ok, il peut nous confier à un autre prêtre. En attendant qu'il lui revienne, on continue les prières. Je continue d'abord avec le prêtre là. Dès que lui va revenir, on va continuer avec lui. Je vous assure, avec le prêtre là, chaque jour, je partais à l'église à 6 heures avec lui. Dès que je faisais les 6 heures, on avait les séances de prière. Les séances de prière, les séances de prière. DMG, c'est là où les vraies attaques ont commencé. Je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas la nuit. J'ai fait 1 mois chez ma grand-mère. Je ne dormais pas la nuit. Parfois, je dors. Quand je dors, je sens comme si je sens les pas dans la chambre. Je ressens les pas. L'esprit là vient m'hypnotiser. Je ressens les pas comme si quelqu'un marchait dans la chambre. Je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Dès que je commence à prier dans le cœur, je me réveille. Je crie. Ma grand-mère dit que c'est quoi? Il y avait qui dans la chambre? Mais il n'y a personne dans la chambre. Tu l'as vu qui? Elle dit que non. Il y a quelqu'un qui marche dans la chambre. Elle me dit que personne ne marche dans la chambre. Parfois, la nuit, je dors. Je sens à la fenêtre, je vois un tissu noir qui se balade à la fenêtre et tout. Je me mets à crier. Je dis à ma grand-mère, il y a un tissu noir à la fenêtre. Elle me dit qu'il n'y a personne. Elle ouvre la fenêtre. Ouais, voilà la fenêtre. Il n'y a personne. Je dis que grand-mère, il y a un tissu noir. Parfois, je dors. Je vois une grand-mère au quartier. Elle est en train de me suivre avec le fouet. Après, DMG, on a continué les prières. Quand je dis au prêtre, il me dit que c'est les combats, continue seulement les prières. DMG, je buvais maintenant, c'était mon eau était de l'eau bénie. Le sel était toujours sur moi. Mon chapelet, je portais toujours mon chapelet. Donc j'étais déjà, j'avais même peur de dormir. Quand je suis dans la chambre, je ne dors pas. Je ne dormais pas, j'avais peur de fermer les yeux parce qu'à peine je fermais les yeux, l'esprit vient. À peine je fermais les yeux, on m'hypnotisait dans le sommeil. C'est donc comme ça que j'ai continué les prières avec lui, j'ai continué les prières avec lui, j'ai continué les prières avec lui. Il m'a dit que quand lui-même il priait sur moi, je sentais qu'il était menacé. Il me l'a dit, le prêtre là. Il m'a dit, il est menacé. Ton esprit est vraiment fort. Parce que quand on priait, je tombais. Je peux me coucher là. Je crie seulement, je ne comprends pas. Quand il finit, je me réveille, il me dit, ma fille, continue vraiment les prières. On va chercher cet esprit. Une fois, il me dit, il faut qu'on arrête de prier. Si je vais t'amener à la sacristie, je ne sais pas, à la sacristie, c'est là où ils gardent les catholiques, les croix, leur matériel de travail, quoi. Nous sommes entrés là-bas. Ce jour, dès que je suis entrée là-bas, mon corps a commencé à faire comme si on m'a versé l'eau. On a pris du piment avec de l'eau et on m'a versé ça au corps. Mon corps chauffait. Quand il dépose la croix sur moi, je crie, je crie, je crie, je crie. Quand il met la croix sur moi, il dit, je commence à crier la voix d'une femme. Est-ce que tu vas sortir? Je dis non. Est-ce que tu sors de ce corps? Il dit non. Est-ce que tu sors de ce corps? Il dit non. Tu t'appelles comment? Je dis, je ne dis pas. Tu t'appelles comment? Je ne dis pas. Je vous assure, cette nuit, on a prié de 18 h jusqu'à 21 h. Le prêtre était fatigué. Il a dit, ma fille, rentre. Demain matin, on va continuer les prières. Je suis rentrée, DMG, vous savez, je peux pas, on dit souvent que ce n'est pas la prière. Dieu est là, c'est vrai. Mais si je dis seulement que je vais continuer à prier et je ne vais pas travailler, je vais faire comment pour payer les factures pour manger, j'ai d'abord dit, OK, j'ai dit au prêtre que bon, il faut que je rentre à ce doigt-là parce que j'avais demandé la permission pour 1 mois que j'allais me traiter. Il faut que je rentre ce doigt-là pour que j'aille continuer à travailler. Et tout, il m'a donné une séance de prière, il m'a donné l'eau bénie, le sel béni, la croix, le chapelet, c'était ça mon combat. Quand je dormais, quand je suis rentrée, je vous assure que même si je dors chez une copine, j'avais ça. Ce qui fait que j'avais mon chapelet toujours au cou, mon sel et tout. Mais quand j'ai moi, j'ai mis mon cœur dans la prière, j'ai fait des jeûnes, j'ai mis mon cœur dans la prière. J'ai mis mon cœur dans la prière, chacune des prières qu'il me donnait, les chansons, chaque nuit, chaque jour, je priais. Même si ce n'était pas facile, le combat n'était pas du tout facile. Même jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini. Mais ce n'est plus ça. Comme c'était au début, c'est en train de partir. Juste pour vous dire que vraiment, le mystique existe. On m'a dit que c'est l'esprit qui me suit, c'est un esprit de mort. Mais moi, je sais que Dieu est plus fort que cet esprit.
Je vous assure, la prière est la première arme à tous nos problèmes. Donnons-nous à Jésus. La prière est la solution à tous nos problèmes. La prière est certainement lente, mais c'est la meilleure solution à tous nos problèmes. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Parce que si ce n'était pas la prière, Dem, je serais morte depuis. Parce que cet esprit vient là pour le but de me tuer. Et cet esprit, c'est ça qui fait que je n'arrive pas à construire. Je sais pas, puisque j'ai déjà eu à faire tous les examens possibles d'EMG, on ne voit rien. On ne voit rien, tout est clair, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à concevoir. Mais avec la grâce de Dieu, je sais que je vais aller. Cet esprit va partir et je vais concevoir et ma vie sera une réussite. Merci de poser mon histoire. Bonne année à tous. Bonne année à vous. C'est hors du commun. Nous allons écouter encore une autre femme. Qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est parti. Bon, moi, je vais encore, j'ai une autre histoire à raconter. Une histoire que mon fils a vécue au niveau de Port-Gentil. Port-Gentil, c'est une ville, c'est la capitale économique. Donc, c'est une ville qui est entourée de la mer. Donc, on louait dans un terrain au niveau de Port-Gentil. Ceux qui maîtrisent bien Port-Gentil peuvent connaître le quartier en question, c'était Interphoto. On n'était pas loin de la route en tout cas. Donc, c'était un soir comme ça. En fait, c'est dans un quartier où je disais toujours à mon fils, comme j'avais trois enfants avec moi. Et le plus grand, c'était mon fils et puis deux enfants de mon frère. Maintenant, donc, le plus grand, je lui disais toujours, bon, comme toi, tu es un peu plus grand, il est dans les 14, 15 ans, par moi. Je lui disais, bon, écoute, il faut souvent éviter de rester dehors quand il n'y a plus des grandes personnes. Parce que le terrain, là, ne m'inspire pas un peu confiance. Comme on dit, les enfants sont toujours têtus. Il me disait, ah, mais non, maman, je reste. Je lui dis, non. Le terrain là ne m'inspire pas, donc vraiment, quand il n'y a plus des gens dehors, il faut éviter d'éveiller dehors ou de rester dehors. Déjà, on était dans un terrain où on peut mettre une ampoule dehors, l'ampoule fait deux jours, troisième jour, paf, elle est grillée. Vous mettez encore une ampoule dehors, deux jours, trois jours, paf, l'ampoule est grillée. Donc à un moment donné même, ça ne nous donnait même plus l'envie d'éveiller, comme d'habitude à la cour, pendant jusqu'à une certaine heure, c'était à peut-être 18h, 19h, chacun déjà chez soi. Donc, c'est comme ça que mon fils et ses amis étaient venus nous rendre visite et tout. Il me dit, il va les raccompagner. Je dis, ah, tu vas les raccompagner, mais fais attention. Ce qui se fait déjà quand même tard, 20h. Il faudrait que tu sois déjà à la maison. Oh non, maman, je ne lui ai pas. Je suis juste là dehors avec les amis. OK. Donc, les deux autres petits sont rentrés avec eux dans la maison. J'ai juste tiré la porte. J'ai pas fermé légèrement. J'ai fermé légèrement. J'ai pas fermé avec le crochet. Donc, je suis rentrée dormir avec les deux petits. Donc, l'heure à laquelle lui est rentré, je ne savais pas. Donc, j'ai dormi le matin, je me réveille, il n'y a pas de souci. Mais trois jours après, j'entends ses amis murmurer, est-ce que tu as dit à ta mère? L'autre dit, est-ce que tu as parlé? Il dit non. Donc, l'oreille part. Et puis, je pose la question, mais de quoi s'agit-il? Et puis, en fait, tous se regardent. Et puis, parmi eux, il y a un qui dit, maman, il y a eu un problème ici, il y a deux ou trois jours. J'ai un problème, avec qui? Ils ont non, voilà, bon, j'en ai un prénom comme ça hein, pour mon fils. Oh non, Pascal et tout ça, quand il est allé nous accompagner, donc à son retour, il a aperçu une ombre à la fondation qui est là à la cour. Il a aperçu une ombre. Oh oui. Bon, sauf que il est rentré, il sait que c'est une personne qui est là debout, donc quand il est rentré dans la maison, il n'a pas directement fermé la porte. Il a tourné un peu, donc quand il est revenu fermer la porte, le temps pour lui, comme il voulait dormir au salon, il a pris le matelas, il a posé au salon. Donc, quand il dort, il sent la présence de quelqu'un sur le lit. Non, il tique un peu. Il veut se retourner, il sent comme si quelqu'un le bloquait sur le lit. Il veut faire un mouvement, il sent le bras ne se lève pas. Il crie. L'enfant lui-même m'explique, maman, j'ai crié de toutes mes forces. Personne ne m'a répondu. J'ai cogné au mur. Il dit personne. Il dit même soulever le bras pour cogner au mur. Personne ne m'a répondu. Il dit je me suis battu donc, au sommet. Il dit c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et comme mon fils c'était un ancien enfant de cœur, donc il y a beaucoup de prières qu'il maîtrise un peu. Parce que quand on faisait un peu les messes les jeudis, les messes de miséricorde le jeudi dans les églises, il faisait partie des anciens enfants de cœur que les prêtres invitaient. Donc, en gros, il maîtrise quand même beaucoup de prières. Donc, il me dit, maman, j'ai prié dans il dit, j'avais les yeux fermés, j'ai prié. Il dit, au fur et à mesure que je priais, au fur et à mesure, j'essaie de soulever le bras, j'essaie de lever la main. Il dit, c'est tout d'un coup, je me suis levé.
Et comme moi, j'ai pour habitude d'avoir toujours de l'eau bénie, du sel béni, de l'huile sainte, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, je ne vivais pas gentil, je ne vivais pas avec mes parents. Donc, j'ai 3 enfants à ma charge. Il n'y avait pas vraiment la prudence. Donc, il fallait que moi aussi, je sois armée de mon côté. Donc, c'est comme ça que l'enfant rentre dans la chambre. J'ai même pas entendu le bruit, en tout cas. Lui-même, il me raconte que maman, je suis rentrée dans la chambre. Comme je connais où tu déposes l'huile bénite avec le sel béni et l'eau bénie. Il dit, j'ai pris ça, j'ai commencé à asperger dans le salon. Asperger, je priais, j'ai aspergé. Il dit, je fais ça pendant 1 heure de temps, en train de prier, intercéder. Il dit, quand j'ai fini comme ça, j'ai repris, je suis allée déposer dans ta chambre. Je suis retournée m'allonger. Il dit, quand je suis retournée m'allonger, c'est là où j'ai trouvé le sommeil. J'ai dit, voilà. Parce que quand on vous parle, qu'il y a des grandes personnes qui ressentent certaines choses. Moi, je suis une personne qui est initiée. Quand je suis dans un terrain où ça ne va pas, où il y a des entités, automatiquement, je réagis. C'est-à-dire que j'ai les cheveux se dressent, j'ai la chair de poule. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 30 minutes, j'ai la chair de poule. Donc, je l'avais expliqué, que je te l'avais déjà dit, que le terrain dans lequel on est, ce n'est pas un terrain vraiment où il faut jouer avec. C'est un terrain hyper dangereux. Donc, il faut faire beaucoup attention pour rentrer en retard. Tu n'as pas compris. Je dis, toi-même, tu as touché, tu as vu. Comme ça, dorénavant, tu ne vas plus sortir la nuit. Donc, c'est pour dire un peu que nos enfants, vraiment, il faut vraiment conseiller. Nous ne devons pas cesser à conseiller, à parler, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que quand tu commences à parler à un enfant de quelque chose, l'enfant vraiment doit comprendre que ce dont mon père ou ma mère dit, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Donc, ça, on peut ça liker, partager et... Vous avez entendu ça? C'est extraordinaire. Je vais écouter encore une autre histoire mystique, une histoire terrible, une histoire triste d'une jeune femme. C'est parti. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous partager une histoire triste que j'ai vécue, mon histoire à moi. Et je demande à toutes les filles de ne pas emprunter ce chemin-là parce que c'est risquant et tout ça. Et il faut savoir avec qui être dans la vie, en fait, c'est ça. J'ai vécu avec mes deux parents jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai perdu mon père. Mon père, en fait, c'était un homme, il avait un peu, c'était un commerçant. Du coup, ici au nord, un homme commerçant qui fait dans le commerce et tout ça, là, l'argent était là. Il subvenait à tous mes besoins. Je suis dans une famille où il y a 2 filles et 4 garçons. Et j'étais la dernière, la Benjamin. Je suis la Benjamine en fait. Et cette fille-là qu'on a donné le nom de sa grand-mère, du coup, j'étais la grand-mère de la famille, j'étais la plus dorlotée, étant Benjamine, encore grand-mère et tout ça, homme dorlotée et tout ça. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout. Il suffit que je dise seulement que papa, j'ai besoin de tel. Il payait. J'étudiais dans une école catholique. Certes, je suis musulmane, mais j'étudiais dans une... l'école catholique et tout ça. Du coup, avec ma mère, après la mort du père, avec la maman, elle se forçait à subvenir à mes besoins. Mais elle n'en pouvait plus parce que je demandais assez beaucoup. Et avec le temps, elle ne pouvait pas. Et il fallait qu'on me rééduque et tout ça. Il fallait qu'on me rééduque. Et moi, je voyais comme s'il était trop dur avec moi et tout ça. C'était devenu que je ne la demandais pas. Je cherchais maintenant le moyen d'avoir et tout ça. Arrivée en 4e, je suis entrée dans une groupe de filles. Une groupe de 7 filles. Et parmi eux, il y a 2 filles de la terminale, 3 filles de la première et 2 de la seconde. Et moi, je faisais la 3e. J'étais la 8e fille. J'étais la seule qui faisait la 3e. Je marchais toujours avec les filles là un peu plus grandes que moi. Et j'ai exposé mon problème à ces filles. Et ces filles m'ont dit qu'ils vont m'apporter des solutions. Et ils m'ont demandé si je veux être comme elles. J'ai dit oui. Parce que je voyais les chaussures, les sacs, les bijoux, les téléphones et tout ça. J'étais... Ça me poussait à entrer dans ce truc là. Ça me plaisait en fait. Je les ai dit oui, j'accepte, je ferai tout. Parce que j'étais le genre de fille qui n'avait pas peur. J'étais prête à tout pour arriver à mes fins. Je suis entrée dans ce groupe de filles. Ils ont commencé à me présenter à leurs amis.
soi-disant leurs amis, en fait, c'était les militaires et souvent les gendarmes, souvent des policiers, souvent des commerçants, en fait, ces gens-là. Et moi, en voyant ça, je partais parce que ces gars-là, après avoir eu des rapports avec eux, ils me donnaient souvent des 10 000, des sommes que je n'ai jamais eues dans ma vie. Pour moi, 10 000, on ne me donnait pas 10 000. On me payait toujours des trucs quand je demandais, mais on ne me donnait pas 10 000. J'avais des 10 000, j'avais des 20 000. Puis un temps, un monsieur, un douanier, il avait enlevé 50 000. Il m'avait donné. Pour moi, j'étais dépassée. Et quand je disais ça à ces filles, ils ont dit non. J'ai cru qu'on allait partager tout ça. Ils ont dit non. Ici, on te met en contact avec cette personne pour que toi aussi, tu te fais des trucs. Tu n'as pas besoin de venir nous donner ton argent. Garde. En fait, c'était mon argent. Je faisais ce que je voulais avec mon argent. C'était ça. En fait, ça me donnait plus de force. En fait, au début, j'avais un tout petit peu peur parce que je me disais que bon, pas que quelque chose m'y arrive et tout et tout. Mais avec le temps, je suis restée avec eux. Je me suis habituée, je me suis adaptée. C'était ça. On marchait là, on pouvait partager le même gars hein, sans qu'il ne le sache. On est là, nous tous nous sortons avec lui. Et puis, un temps comme ça, on vient là, on essaie de lui montrer que non. C'est lui qui a voulu nous partager. Oh, que c'est la faute venait de nous. C'est nous qui partons vers eux et tout ça. En fait, d'une manière, moi je peux dire que c'était une forme de prostitution, quelque chose du genre. Mais on ne voyait pas ça du tel. En fait, c'était pas arrivé à ce niveau. Avec tout ça, en fait, on ne gérait pas. J'ai eu mon PPC et dans tout ça, j'étais une fille intelligente, c'est vrai. L'intelligence, j'en avais et j'ai toujours. Du coup, mais c'était la réflexion, c'était le vouloir beaucoup plus. C'était ça qui m'avait conduit dans ça, vraiment. Sinon, on m'avait donné une bonne éducation à la maison. Du coup, arrivé, j'ai eu mon BEPC avec mention bien et tout ça. J'ai passé pour la seconde. La seconde, je continuais dans ça. Et ceux de la terminale étaient partis. Une est partie et a laissé une. Et ceux de la première ont repris. Mais ceux de la seconde ont passé les deux. Je faisais la seconde. C'était la même chose. La première, c'était toujours la même chose. Je marchais toujours avec le reste des filles. L'autre avait eu son bac. Les deux ont eu leur probatoire et une a repris. Maintenant, je faisais même classe avec celle-là, qui est ma copine. En fait, on marchait, on traînait ensemble et tout ça. On est venu, on a obtenu notre probatoire avec mention bien toujours. Les deux, on a obtenu notre probatoire avec mention bien. On passe maintenant pour la terminale. C'est là où je fais, au début d'année, c'était pendant les vacances. Je fais donc la rencontre d'un monsieur, un routier. J'étais bien avec ce monsieur, il me donnait tout. Il faisait tout pour moi. En fait, tout. Je dis bien tout ce que j'avais besoin, il me donnait, il m'échangeait des téléphones, il m'achetait les iPhones par-ci, ceci par-là. J'étais la fille là qui était la plus envieuse du lycée. Parce que je ne pouvais pas, par semaine, je ne pouvais pas venir avec la même chose. Et tout ce que je vous raconte, j'avais seulement 14 ans en quatrième. J'avais 14 ans en quatrième. Et c'est en montant comme ça, avec mon âge. 14 ans, 15 ans, 16 ans. 17 ans en terminale. C'était comme ça. Du coup, à mon jeune âge, je mentais parce que j'avais un corps là. Si tu me voyais, tu allais dire non, c'est une grande fille et tout ça. Or que c'était juste le corps et tout ça là. Je suis petite. Là, je étais petite, mais le corps, j'avais le corps d'une femme. Du coup, ça me permettait de mentir à cet homme que j'avais 20 ans, 19 ans. Je disais aux autres, j'avais 21 ans. Ils croyaient. Parce que mon corps montrait ça. J'étais grande avant mon âge. Et tout. Arrivé en terminale, je sortais avec ce monsieur-là. Ce routier faisait tout pour moi. Je suis venue, j'ai échoué au bac. Oui, j'ai échoué au bac. Un an, j'ai fait 2 ans en terminale. Deuxième année, j'ai eu mon bac. Je passe donc pour l'université. En fait, j'étais censée aller à Douala. Mais j'ai dit non. Je ne pouvais pas aller à Douala vu que tous mes gars étaient dans la localité du Nord. Donc, je devais rester quelque part dans le Nord, soit à Garoua, soit à Ngaoundéré, parce que je ne pouvais pas aller trop loin.
Mes gars étaient quelque part là. Si je suis à Garoua, ils viendront me trouver. Et si c'est en Gaoundéry, ils viendront toujours me trouver. Et du coup, ça, pour moi, c'était un business. Ça renforçait mon business et tout. Maintenant, je suis avec le gars routier. Je trouve mon bac. Je pars m'installer là-dedans, en Gaoundéry. Si vous voyez ma chambre, j'étais comme une responsable. J'avais une suite. Je peux dire, oui, c'est une petite suite. Parce que j'avais un petit salon où je... C'était une grande chambre, mais que je pouvais couper en deux, du genre chambre, salon. En fait, j'avais mes deux canapés, j'avais ma télé, mon tapis, ma table. J'avais ma cuisine, ma douche, la douche. En fait, tout était là. C'était chambre, douche, cuisine et un peu un petit salon. C'était comme ça. Je vivais là-bas comme une reine. Il faisait tout pour moi. Un temps, il était venu, il m'a dit qu'il... Il devait faire une semaine chez moi. Mais ça m'étonnait. Comment est-ce qu'il peut venir faire une semaine chez moi comme ça? Et c'était son jour de congé. Parce qu'il ne venait pas souvent. Quand il vient, c'est qu'il passe une nuit et puis il ne passe pas au travail. Ou bien il vient là pour faire quelque chose en Gaoundéry et il fait une nuit avec moi et puis il rentre et tout ça. Mais ça m'étonnait qu'il venait pour une semaine. Mais je lui ai dit, tu es sûr que ça va? Tu viens pour une semaine et tout ça. Il m'a dit, non, il n'y a rien. Ça va, je suis juste venue pour passer du temps. Et à ce même temps, il sortait avec une fille, une grande sœur, c'était une grande sœur à moi. Mais elle était en fac avant moi. Vous voyez, elle était en fac avant moi. Bon, on peut l'appeler même Christelle. On donne ce nom de Christelle. Parce que je ne peux pas appeler son nom. On donne le nom de Christelle. Maintenant, il sortait aussi avec Christelle. Et quand il arrivait aussi souvent chez Christelle. Même pour passer, il laisse même un 10 000, un 5 000, il passe et tout ça là. Pour garder la relation et tout ça, on ne sait jamais. C'est ce qu'il faisait. Parce que si je me mets à sa place, c'est ce que je me dis. On ne sait jamais. Maintenant, il m'a dit qu'il venait pour une semaine. Je dis, ah, d'accord. Je me suis préparée donc pour une semaine. Il est arrivé un samedi. Le samedi, il était censé repartir maintenant le dimanche. Maintenant, le samedi, il vient, on arrive à Adam, il vient, il me prend, on part en ville, on achète de quoi manger les vivres. On vient, je garde dans la cuisine et tout, vu qu'il va passer une semaine avec moi et tout ça là, fallait que je prépare, machin, ceci, cela. On a acheté tout ce qu'il n'avait pas, on a gardé. Maintenant, il vient, il dort, le soir, ce samedi soir, il sort dès 21h. Il rentre vers 23h. Il rentre avec la viande et le jus grenadine. Il me donne, je bois, je mange. Je mange, je bois. Je lui sers à manger. Je lui dis, mais mange. Il m'a dit, non, il a déjà mangé sa part, que je lui sers juste à manger. Il veut manger ma cuisine. J'ai dit, d'accord, je prends. J'étais à croire la viande, vu que moi, je suis née d'abord dans la viande. Je mange la viande, je bois le jus sur ça. Je me couche, je dors. Le lendemain soir, il me rapporte encore la viande et le jus grenadine. Je mange, je tape encore, je dame ça sur ça. Je bois le jus. Maintenant, le troisième jour, on m'appelle, on me dit que ma mère ne se sent pas bien. Je dis, ok, maman ne se sent pas bien, comment? C'est ma grande soeur qui m'appelle donc. Maman ne se sent pas bien. On est allé à l'hôpital là, on dit que manque du sang. J'ai dit, ok, manque du sang, comment? Depuis quand que maman... Ah, ce manque du sang, ça a commencé quand et vers où? Elle n'a pas la maladie, a d'abord commencé comment? Ils ont dit non, pour rien comme ça là. Elle est tombée et ça faisait déjà 3 jours que je buvais le jus et je mangeais la viande. Maman est tombée, elle se sent pas bien. Elle dit, ah d'accord, je vais envoyer un peu d'argent, vous essayez d'aller à l'hôpital. Parce qu'il m'a donné l'argent, le quatrième jour, il apporte, je mange. Et je ne me posais pas de questions. Hein. Je ne me posais pas de... Le cinquième jour, donc, j'étais censée manger ça pendant 7 jours. 7 jours, ma maman mourait. Et lui, son argent augmentait. Et il vivait avec moi. 7, il m'aimait, c'est vrai. Parce qu'il était, je sais qu'il était amoureux de moi. Il m'aimait, le gars m'aimait et tout ça. Là. Mais c'était cette condition qu'on lui avait donnée. Il devait tuer ma maman pour vivre avec moi. Ah, quatrième jour, je mange. Cinquième jour, ça ne va pas. La femme, c'est à l'hôpital, ça n'allait pas. On m'appelle, maman dit que tu viens. Elle dit, ok, j'ai compris. Je lui dis, bon, chérie, moi, je vais te laisser les clés de la maison. Moi, je vais partir
au village. Maman là ne se sent pas bien et elle demande à me voir. Elle me dit non, laisse, dimanche on va aller ensemble. Machin, je lui ai dit non, maman a dit que je pars. Il m'a convaincu. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris, sans souci. Maintenant, le lendemain encore, il apporte cette même viande, cinquième jour. Je lui ai dit, mais moi aujourd'hui je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de manger. Il m'a forcé, j'ai mangé. Il m'a dit goûte même un peu, non. Je t'apporte quelque chose, tu ne manges pas. J'ai goûté un peu le cinquième jour. Désolée vraiment. Et c'est comme ça que il me dit non, que j'attends, on va aller ensemble. Je lui dis bon, moi je peux pas attendre qu'on parte ensemble. Ma mère demande à me voir urgentement. Ça ne va pas, sa santé là, ça ne va pas. On ne fait qu'acheter les poches de sang. Il me dit que non, si c'est pour l'argent, ça ne dérange pas. Je vais te donner la. Désolée vraiment. Et c'est comme ça que il me dit non, que j'attends, on va aller ensemble. Je lui dis bon, moi je peux pas attendre qu'on parte ensemble. Ma mère demande à me voir urgentement. Ça ne va pas, sa santé là, ça ne va pas. On ne fait qu'acheter les poches de sang. Il me dit que non, si c'est pour l'argent, ça ne dérange pas. Je vais te donner l'argent et tout et tout. Je lui ai dit non, ma mère a besoin de me voir. Je dois partir. Il m'a dit non, reste. On va repartir ensemble dimanche. Et il dit non, si c'est pour le transport, on laisse. Moi-même, je vais payer le transport. Il m'a dit, tu sais que ce n'est pas pour l'argent. Je t'ai dit de rester, je suis quand même fait. Je lui ai dit, oui, c'est, tu es venu pour rester avec moi, non. Mais c'est ma mère, c'est la vie de ma mère qui est en jeu. Et elle a dit qu'elle doit me voir. Donc, je dois partir. Le monsieur a refusé. Sixième jour, mon cœur ne supportait pas. Mon corps ne me laissait pas. Mon grand frère a appelé le plus grand. Rentre vite. Maman ne se sent pas bien. Elle a besoin de te voir. Rentre vite. J'ai dit d'accord. J'ai pris mes deux pieds. Je lui ai dit, tu sais, ici là, moi je ne peux plus. Moi je dois partir. Je vais aller voir. Maintenant, si le septième jour je mangeais, Allah, je ne savais pas ce qui allait arriver. J'ai pris mes deux pieds. Je lui ai dit que je pars. Il s'est fâché et tout ça. Je lui ai dit, ici là, c'est la vie de ma mère. Je pars. C'est comme ça que je suis partie. Donc, j'ai pas pu finir les trucs. Ces rituels qui me faisaient manger à tout moment. Et il me faisait boire le jus et tout ça. Je rentre donc, j'arrive au village. Et je vois ma mère, on reste là. Je lui ai dit, bon, je vais faire une semaine avec elle. C'est ce que je lui ai dit. Je vais faire même 10 jours avec elle avant de repartir pour l'école. Il m'a dit d'accord. Maintenant, je lui ai dit que bon, je vais te laisser la maison. Hein. Et pendant ces 7 jours-là, ce qui était marrant est que le gars ne me touchait pas. On ne couchait pas. Il ne me touchait même pas un peu. Il ne me touchait pas. Avec tout ça, ça ne m'a même pas fait réfléchir, même pas un peu. Je partais. Il a enlevé l'argent, il m'a donné. Je lui ai dit d'accord, merci. C'est comme ça que je suis rentrée au village. J'ai fait 10 jours avec ma mère. Ça allait déjà très bien. Donc, dès que je suis arrivée, j'étais arrivée là-bas. 2 jours après, maman pouvait se lever, s'asseoir comme ça, causer, rire. C'était étonnant et tout ça là. Mais je n'avais pas réfléchi à tout ça là. Et par après, derrière moi, cette fille-là, dont je vous avais parlé, son amie, la fille en question sortait avec lui. Et c'était que il faisait la même chose à la fille. Il passait, il laissait l'argent à la fille, là, il laissait la viande et tout, la fille mangeait, lui, il rentrait, il venait dormir chez moi et tout ça. Là. Il avait dit à la fille qu'il était venu pour le travail, qu'il ne peut pas dormir chez elle, qu'il va dormir au travail et tout ça. Là. La fille aussi a dit d'accord. Mieux moi, il dormait quand même chez moi, mais il ne dormait pas chez la fille, mais il donnait quand même de l'argent et le jus et tout. Par après, on l'appelle seulement pendant une semaine après, on appelle, on dit que seulement que sa mère est morte. Elle descend au village me trouver. Je pars, je l'assiste. Sachant qu'elle sortait aussi avec mon gars et tout ça là. Moi, je n'ai pas le cœur de prendre les gens à cœur et tout ça, la rancune. Je n'ai pas un cœur rancunière et tout ça là. Si c'était une autre, je n'allais pas. Mais je suis allée l'assister. On est resté un temps. Et puis, nous sommes rentrés sur une grande guerre ensemble. C'est là où j'étais censée faire 10 jours. Mais je n'ai pas fait ces 10 jours-là. J'ai fait plutôt 15 jours par rapport à une rentrée parce qu'on était censé composer. On devait rentrer.
Du coup, on est rentré sur ma chambre, sur une gangrée. Ah, c'est là où on commence là. Et je partais l'assister et tout ça. Le gars était chez moi. Maintenant, il dit que bon, ma mère, ça va. J'ai dit non, ça va mieux et tout ça. Il m'a dit que bon, il va rentrer. Il va rentrer, mais il va encore faire 2 jours après avant de rentrer. J'ai dit d'accord, la mère de ma copine là, la mère de ma soeur là, la fille là, ma soeur là a perdu sa mère, sa copine là. C'est ça qu'il a commencé à arriver. J'ai dit voilà, comme tu ris là sûrement, je t'ai dit que tu sortais avec la fille là, tu as dit non, machin truc, sa mère est morte, je vais aller l'assister et tout ça là, on va rester un peu avant que je ne rentre, je vais aller passer la journée. Il m'a dit d'accord, lui-même là, il va aller voir son ami en ville. Quand il va rentrer, il va me faire signe. Je lui ai laissé les deuxièmes clés et moi j'avais l'autre clé. C'est comme ça que je pars chez ma soeur en question. On part, on reste. Maintenant c'est en causant où elle me dit que bon, elle ne comprend pas. C'est la même maladie que. Je l'explique alors la maladie de ma mère et tout ça là. Et ça qu'elle me dit que c'était la même maladie que sa mère avait. J'ai dit ok. Donc le sang finissait et tout ça, elle maigrissait. Elle dit oui. Il dit que, ah, derrière toi là, tel est venu chez toi. Elle a dit oui, ça fait une semaine là qu'il venait de temps en temps, chaque soir il venait ici là, mais il ne pouvait pas dormir chez moi. Il m'a dit qu'il est venu pour le travail. Je lui ai dit qu'il est venu pour le travail comment? Explique-moi un peu. Je lui ai dit, il n'est pas venu, il dort chez moi. Ça qu'elle me dit, ok, il dort chez toi comment? Je lui ai dit, oui, ma mère, il dort chez moi. Il est venu pour quel travail? Il a pris les congés, il est ici pour les congés. Il dort chez moi. Il n'est pas au travail. Dis-moi un peu, chaque soir, il t'amenait quoi? Elle me dit que le monsieur amenait le jus et la grenadine. Et le machin et la grenadine et la viande. Je lui ai dit, tu as mangé ça pendant combien de temps? Il a dit, j'ai mangé ça pendant une semaine. Et après les une semaine là, j'ai perdu ma maman. Je lui ai dit, c'est la même chose que le monsieur me faisait manger. Mais sauf que moi, je n'ai pas pu finir le dernier jour. Ma mère avait voulu me voir d'urgence, je suis descendue au village. Je n'ai pas pu manger ça. Donc, ça veut dire que la viande qu'on mangeait et le jus qu'on buvait, la viande, c'était la viande, la chair de notre maman. Et le jus qu'on buvait, c'était son sang. Donc, on était censé boire ça pendant une semaine et nos mamans mouraient. Et voilà, lui, c'était sa richesse qui augmentait et tout ça. Maintenant, on part. On a pleuré, on est resté, on a pleuré jusqu'à. Tout ça là, c'est l'envie d'avoir, d'être dans une je ne sais quoi. Tout ça là, tout ce qui est en train de se passer là, tout ça là, c'est l'envie. Envier les gens, c'est ça qui nous est poussé dans ça. On est parti ensemble, je lui ai dit, on part présentement là, voilà, il vient de m'écrire, il est rentré, il est à la maison, allons-y. C'est comme ça qu'on part ensemble. Je reste, je lui pose la question de savoir. Donc, tu es venu ici pour tuer ma maman. Elle m'a dit, donc il n'a même pas répliqué. Il m'a fait comprendre que, estime-toi heureuse. Que ta mère prie beaucoup pour toi. Sinon, comme ta mère n'était pas partie, toi, tu étais censé partir. Même si tes prières sont faibles, cède. Et ce qui m'avait sauvé, c'est que je ne ratais pas les prières. Cède, avec tout ce que je faisais, je priais toujours quand même. Au moins, mes 5 jours de prière, les 5 jours de prière par jour, je ne les ratais pas. Je les faisais toujours. Et je priais avant de dormir, je priais, je lisais mon Coran, je priais, je dors et tout ça. C'est comme ça que le monsieur me dit, estime-toi heureuse. Parce qu'il y a trop de prières. Ta mère prie pour toi et toi-même tu pries pour toi et tu pries pour ta famille. Sinon ta mère allait partir. Mais toi, voilà, ce n'était pas ta chance, ta mère est partie. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi qui ai tué ta mère? Rien. Du coup, je suis désolée. Donc, je ne sais pas, j'ai commencé à pleurer sur le manque sur place là-bas. Le monsieur nous a dit cache. Il n'a pas caché. Il nous a dit ça. Il nous a dit c'est cette envie-là qui va vous tuer un jour. Vous aimez trop l'argent. Vous enviez les gens. Si vous n'avez pas resté à votre place, mais vous ne voulez pas. Vous voulez toujours grimper au-delà d'où vous êtes. Calmez-vous. Cherchez votre vie tranquillement. Vous estimez-vous heureuse que vous n'êtes pas morte vous-même, c'est vos parents. Donc du coup, je ne savais pas quoi faire. On pouvait d'abord se placer devant qui pour raconter quoi. Et jusqu'à présent, on a fermé nos bouches les deux, on est resté tranquille.
C'est comme ça que ce monsieur a fait sa valise ce soir. Il est sorti de chez moi, il est parti. J'ai pris peur pour dormir chez moi à la maison. J'avais peur de dormir à la maison. J'avais très peur. Comment pourrais-je dormir dans la chambre? J'ai fait une semaine sans dormir là-bas à la maison. La peur. Chez moi. C'est comme ça que j'ai recommencé à dormir à la maison et tout ça là. J'ai fait 2 ans à l'université de Ngaoundé. C'était ma 2e année que ce truc m'arrive. Et par rapport, c'est comme ça que je suis. J'ai voyagé. J'ai laissé dans. Je suis maintenant à Douala. Ange Raphaël. Je me bats là-bas comme ça. Donc, je suis présentement à Douala. Donc, je dis à toutes les filles, pardon les filles, sachez où vous mettez vos pieds. Vraiment, sachez où vous mettez vos pieds. Je ne souhaite à personne ce genre de vie. N'enviez pas les autres. J'ai commencé. Je peux même dire ça, c'est la prostitution. J'ai commencé la prostitution à bas âge, à 14 ans. Je couchais déjà avec les hommes. Parce que j'avais besoin, parce que j'avais envie, parce que j'enviais les autres, parce que je voulais être comme les autres. S'il vous plaît, chers parents, éduquez bien vos enfants. Essayez de les mettre sur le droit chemin. Ces histoires que nous, les filles, nous vous racontons là, les autres ne prennent pas ça au sérieux, mais vraiment, c'est le vrai. On ne se libère pas souvent, mais quand on a cette opportunité de se libérer, de ce truc qui nous ronge au plus profond de nous, nous essayons d'expliquer ça. Pardon les parents, je vous en supplie. Moi, je regrette ma vie. Quand je raconte cette histoire, ce sont les larmes qui coulent à mes yeux. Je regrette ma vie. Pardon les parents. Essayez de prendre soin de vos enfants. Éduquez, montrez-leur leur droit chemin. En fait, c'est tout. Quand je raconte mon histoire, j'ai les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, mes yeux sont déjà ouverts sur la vie. Parce que j'ai connu, j'ai souffert étant tout. En fait, c'est tout. Merci. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse et te donne beaucoup de force. Nous avons entendu ce qu'elle a dit. Je n'ai rien d'autre à en ajouter. Wow.